Véronique Lopez, bonjour. Alors, on est à la Villa du Flot. On est venu parce que on inaugure aujourd'hui votre peinture et aussi parce que c'est votre anniversaire. On a toujours 20 ans quand on est une artiste. Alors, Véronique, vous peignez, mais vous peignez quoi ? Alors, moi, j'ai choisi depuis très longtemps, parce que j'ai commencé la peinture à 18 ans, j'ai choisi de faire de l'abstrait. Oui. De l'abstrait moderne, avec des couleurs extrêmement bien définies. Je suis très dans les rouges, dans les verts et dans les marrons. Voilà, marron doré, beige. Voilà, ce sont mes trois thèmes de couleurs sur lesquels je travaille depuis des années. Vous exprimez quoi au travers de vos tableaux ? Alors, des émotions. Des émotions fortes. Dans le rouge, ben, la passion, l'amour. Ouais. Ça n'est pas politique, vous n'êtes pas bolchevique. Non, du tout. J'ai attaqué quand même une série de noir et blanc, parce que j'avais besoin de contraste pour le yin et le yang. Ouais. Donc, j'avais besoin de ces deux polarités par rapport à ma personnalité. Voilà, donc j'ai choisi de faire, d'exprimer mes émotions dans la simplicité, dans l'abstrait, parce que j'ai envie que chacun y trouve ce qu'il a envie d'y trouver dans chaque toile. Alors, pourquoi la peinture ? Vous eussiez pu faire de la vidéo, de la photographie, de la sculpture ? Pourquoi ce choix ? Alors, ce n'est pas non plus une exclusivité totale de la peinture, parce que je sais que je viendrai de toute façon à la sculpture. Je trouve que c'est très complémentaire. Pourquoi la peinture ? Dans un premier temps, parce que c'était la première expression, quand j'étais toute petite, qui me venait à l'idée, c'était de vouloir peindre et de vouloir prendre des pinceaux et de vouloir m'exprimer. Alors on m'a fait faire de la figurative, des paysages que je n'aimais pas. Je ne voulais pas reproduire quelque chose que je voyais, je voulais juste sortir de mon imagination. D'accord. Alors, à un moment donné, vous avez commencé quand à peindre sérieusement, entre guillemets, au-delà de quand vous étiez petite fille ? À 18 ans. À 18 ans, j'ai exprimé le fait de vouloir faire les beaux-arts. Oui. Ceux qu'on va fermer ? Entre autres, voilà. Mais pas ici à Perpignan, je voulais les faire à Montpellier. Et effectivement, j'étais encore sous la responsabilité de mon père qui n'a pas souhaité que je fasse les beaux-arts. Donc j'ai attaqué des études, entre guillemets, classiques. Oui. Elles se sont débattues, les études, comme vous les avez attaquées ? Oui, elles se sont défendues. Non, je les ai adorées, mes études, parce que j'ai choisi un métier qui est du don et du partage. J'ai choisi un métier d'infirmière. Ouais. Donc j'ai payé moi-même mes cours de peinture à Montpellier, dans des cours privés. Et j'ai appris avec des grands professionnels qui étaient aussi des profs qui intervenaient sur les beaux-arts. Je le faisais en cours du soir, en plus de mes études. Quand vous avez commencé à vous montrer, je ne parle pas de vous, je parle de vos tableaux, 100 ans, c'est pas la première fois que vous exposez à la Villa du Flot. C'est une tradition quasiment, non ? Ici, c'est devenu une tradition, c'est tous les ans, tous les étés. J'ai attendu l'âge de 40 ans pour exposer. Donc j'avais réalisé plus de 80 toiles. J'avais stocké sagement et discrètement chez moi. Je ne voulais pas les montrer, je ne voulais pas sortir. Et en fait, j'ai eu l'opportunité d'exposer au Palais des Congrès de Perpignan. Donc c'était en 2009. Et là, j'ai commencé à exposer. Et là, ça s'est enchaîné. J'ai fait exposition sur exposition. Et j'ai eu la chance de beaucoup plaire. Les toiles ont plu. Et j'ai fait beaucoup de ventes. Donc j'ai continué parce que je me suis aperçue que finalement c'était un grand succès. Est-ce que ça fait du bien de s'épanouir en dehors d'une activité du travail officiel ? Oui. Et est-ce que vous pensez que vous allez un jour en faire un métier et ne faire que c'est ? C'est pas ma volonté. Oui. Je ne cherche pas à en faire mon métier parce que je ne veux pas mettre de pression et vouloir absolument gagner de l'argent dans la peinture. Ça reste une passion. Je veux pour l'instant que ça reste une passion. J'ai eu des opportunités, des propositions intéressantes sur Paris, des choses bien avec des galéristes. Pour l'instant, je n'ai pas envie. Je ne veux pas me cloisonner et faire que ça. Je veux pouvoir exprimer mon imagination, ma créativité quand je le souhaite. Alors l'idée c'est comment on fait évoluer sa peinture et comment vous voulez évoluer dans votre travail ? Comment on fait évoluer sa peinture ? Mais ça je pense que c'est inné, c'est de l'inconscient. Alors moi je travaille beaucoup sur l'hypnose, donc je vais vraiment chercher dans mon inconscient. J'ai des idées, de la créativité qui vient énormément la nuit, dans mes rêves, ça me réveille, donc ça me donne des idées. J'essaie de chercher de là-dedans et par rapport à tout ce que je traverse, voilà, tout ce que je vis dans ma vie au quotidien, je retiens ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de pas bon, de ce qu'il y a de difficile, de compliqué, mais à la fois de très bon aussi, de très bon. Voilà. Après, je vais faire évoluer mon travail, de toute façon, la peinture, encore une fois, ça reste une passion, donc je ne cherche pas à le transformer en travail. Travail d'effort, dit constance, c'est pas le but. Ça reste un hobby. Ça reste voilà, un hobby, une passion et un défouloir, un exutoire de ma vie, de mon quotidien.
Donc c'est que votre vie est énervante et stressante finalement. Quand vous aurez une vie tranquille, c'est fini la peinture. Non, parce que de toute façon, je pense que la tranquillité de la vie n'existe pas. J'ai une vie très dense, très chargée, très occupée. J'ai pas le temps de m'ennuyer, jamais le temps de rester sans rien faire. Donc en fait, ma peinture me prend beaucoup de temps aussi. Je lui consacre le temps que j'ai envie, c'est par rapport à mes envies, et par rapport à le fait de m'exprimer. Voilà. Quand j'ai pas envie, quand j'ai pas d'aspiration, je laisse tomber mes pinceaux, c'est pas un souci. J'ai pas de culpabilité. Alors, combien de temps elle reste là, cette expo? Elle restera jusqu'à fin juillet à la Villa du Flot. Et ensuite, nous attaquerons une autre exposition à partir du fin septembre dans Perpignan. Où ça, où? Alors, ça sera au restaurant Les Ateliers, à Perpignan. Véronique Lopez, merci. Avec plaisir, merci à vous.